Parcours du français de la sixième année primaire. L'unité didactique numéro 5, ma sécurité sur la route. Donc aujourd'hui, nous avons une leçon sur la production de l'écrit. Écrire des conseils et des recommandations. Donc on passe à la page 146 pour répondre aux questions concernant la leçon intitulée Écrire des conseils et des recommandations. J'observe et je découvre. Donc, on va lire le texte, le petit texte. Ne roule pas avec des objets qui peuvent te gêner ou te distraire. Place tes affaires sur le porte-bagages ou dans un sac à dos. Pour ta sécurité, ne les tiens pas à la main. Évite aussi les écouteurs car ils limitent l'attention. La première question, de quelle phrase s'agit-il dans ce texte? Donc, il s'agit des phrases impératives. Il s'agit des phrases impératives. Donc, les phrases, la jumelle, l'amriya, et puis awamir, wanawahi. À qui ce texte s'adresse-t-il? Donc, ce texte s'adresse aux cyclistes. Ce texte s'adresse aux cyclistes. Drajin. Drajat. Quel est le type de ce texte? Donc, c'est un texte injonctif. C'est un texte injonctif. Je manipule et je réfléchis. J'écris les verbes du texte. Donc, il y a roule, des objets, peuvent. Place tes affaires de porte-bagages, de sac à dos pour ta sécurité. Ne les tiens. Évite car ils limitent. Donc, il y a bien sûr des verbes qui sont conjugués au présent de l'indicatif ou des verbes qui sont conjugués à l'impératif présent. Donc, kenenna hado roule, place, tient, évite. Hado, ce sont des verbes qui sont conjugués à l'impératif. Le verbe hado, ce sont conjugués au présent. Aucun des verbes qui sont à l'infinitif, on n'a pas les relevés. Donc, la question suivante, j'écris quatre phrases qui expriment un conseil. Donc, la première phrase, la deuxième, la troisième, la quatrième. Donc la première phrase, brosse-toi les dents avant de dormir. Soyez prudent. Soyez prudent lorsque vous traversez la rue. Vous traversez la chaussée, si vous voulez. La chaussée. Donc, bien, on va dire, donc prends ta parapluie, prends ta parapluie, car il pleut.
Réviser vos leçons. Avant l'examen. Donc, on va donner quatre recommandations. Donc, mettez vos ceintures, les ceintures de sécurité. Respectant la vitesse autorisée. Faisons attention au virage. Réfléchissez avant, réfléchissez bien avant de répondre. Voilà, on passe à la page suivante, la page 147. Je m'évalue à ou bien je m'entraîne à écrire. Voici un texte injonctif. Complète-le en utilisant les mots suivants. Il faut toujours ne pas courir. Intérêt, recommandé, respectant, tendez, circuler, conseil. Donc la première. Donc ici on va dire les usagers de la route. Donc respectant l'écoute. Donc, respectant le code, respectant tous le code de la route. Donc, elle est au pays temps d'être très vigilant. Elle est conseillée. Ils ont à traverser sur les bandes blanches. Donc, ils ont recommandé. Ils ont recommandé de traverser sur les bandes blanches en traversant, ne pas courir, ne pas courir en traversant. Permet aux automobilistes de bien les voir. À vélo, il faut toujours porter. Il faut toujours porter un casque pour circuler en ville. Il est intérêt. Il est intérêt de rouler sur une piste cyclable si vous voulez changer ou bien si vous voulez changer de direction, tendez le bras. Pour montrer quel sens vous allez prendre pour votre sécurité, ne circulez jamais entre voitures. Ne circuler jamais entre voitures. Voilà, c'est la fin de cette séance concernant la production de l'écrit de l'unité didactique numéro 5, parcours du français, 6e année primaire.